Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis Studio 4, La Voix de la Vegan à Washington, moi c'est Jacqueline Belizère. Il y a un plaisir pour nous retrouver nous pour nous présenter un programme dans langue créole haïtien. Jeudi, c'est lundi 9 septembre 2024. Quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Entre démocrate Kamala Harris et républicain Donald Trump. Pour spécialistes, c'est un moment déterminant pour l'élection présidentielle 5 novembre. La Chine et la Russie annoncent qu'ils vont mettre sous pied exercice militaire dans la tête collée. Et puis, candidat opposition dans Venezuela dans la dernière élection présidentielle, Edmundo González Urrutia prend exil en Espagne pendant que chef opposition Maria Corina Machado dit qu'il ne fait pas quitter le Panago. Et c'est pour ça, yo, avec l'autre corps, nous pourrons le développer pour dans un petit moment, mais actualité a mené nous dans New York, côté États-Unis, avec Équateur, a patronné un projet résolution pour mission multinationale pour soutien sécurité en Haïti, t'a transformé en force maintien la paix l'ONU. Et nous pourrons rejoindre Valério Saint-Louis depuis Studio New York, dans New York. Valério? D'après information que VOA Creole arrive joindre, ambassadrice États-Unis dans les Nations Unies, Linda Thomas Greenfield, dans le moment que nous avons parlé là, a travaillé ensemble avec ambassadeur pays Équateur sur un projet résolution que nous allons présenter devant Conseil Sécurité Nations Unies dans la date 30 septembre qui vient là. Projet ça a pour loi avec avenir force support sécurité multinationale là pour Haïti. Document ça que VOA Creole arrive joindre, eh bien, gen la donne une demande pour l'ONU commencer planifier pour changer mission MSS là en une opération maintien la paix l'ONU. Document dit objectif mesure ça, c'est à maintenir accomplissement MSS là pour t'arriver à terme jusqu'à présent. Pendant visite li dans pays d'Haïti, n'a rappelé que secrétaire d'État Anthony Blinken t'a dit que une mission maintien la paix l'ONU, c'est une option États-Unis à considérer dans moment que l'a cherché joindre accompagnement dans main l'autre pays étranger ensemble avec support matériel pour MSS là. Gen an bien moun ki te critiqué policier kenyan yo parce que d'après yo pas gen assez progrès qui fait vis-à-vis de gang armé yo qui ont même continué à terroriser quartier aux alentours Port-au-Prince yo et puis tout gang yo continué à attaquer la police. Anthony Blinken déclaré pendant conférence pour la presse que le débat dans pays d'Haïti avant que le prend avion pour l'aller en République Dominicaine que li pral travail pour organiser une rencontre ministérielle dans cadre rencontre annuelle ça que Nations Unies fait chaque année pour discuter sous support pour mission multinationale là pour Haïti. N'a rappelé que dernière force maintien la paix l'ONU qui était en Haïti entre années 2004 et 2017 t'est soulevé en pile critique pour épidémie choléra qui a été créée et puis tout abus sexuel. Il y a 400 policiers kenyans qui en Haïti dans moment là et qui travaillent ensemble avec police nationale là pour couper insécurité goumen contre gang fait opération anti gang. Mission envisager 1000 policiers kenyans et puis tout policiers qui a sorti dans pays comme Bahamas, la Barbade, Jamaïque, Bangladesh, Bénin et puis pays Tchad. Force a été supposé qu'il y a un total de 1500 moun les déploiements a complet. N'importe qui résolution États-Unis et Équateur t'a présenté, t'a dû approuver par membre Conseil sécurité l'ONU avant que entrer en application. Document ça que VOA Creole joigne, c'est ça que l'I dit et nous souhaitons partager ensemble avec vous. Pour VOA Creole, Valério Saint-Louis, depuis New York. Merci Valério Saint-Louis. N'a pas entré dans Port-au-Prince, dans le pays d'Haïti. Eh bien, gagné unité lutte contre corruption, ULCC, les mêmes qui célébraient 30 ans, 20 ans plutôt d'existence. Nous sommes sur place Yves Manuel qui gagne détail. 8 septembre 2004, 8 septembre 2024, belle année déjà pour ULCC dans la lutte contre corruption. Dans l'allocution circonstance numéro 1 institution, renouveler volonté pour la bataille contre la corruption dans l'idée pour permettre à la population non seulement refaire confiance à dirigeant lieu, mais tout occuper une plus bonne place dans le rapport annuel sur indice perception corruption. Jacques-Anne Ludwig Joseph. 20 ans après, il est venu le temps de les conférer en reconnaissance des risques énormes qu'ils encourent, des sacrifices quotidiens qu'ils font pour rendre à l'Haïtien son humanité arrachée, comme le disait le révérend père, Charles-Joseph Père, par la corruption. Ce statut particulier prévu dans le décret de 2004. Premier ministre Guy Conny, qui t'a pris la parole dans ces circonstances, dit le regrette que 30% pète enregistré chaque année dans l'administration publique là.
Avec feuille de route, li baye ak ministre nan gouvernement lyo, li souhaite adresser problème ça et lutter contre fléau an sous toute forme. Eh bien, 30% nan moyen yo, yo va là. Ou un individu ou haïtien qui décide que l'intérêt pâle plus important que l'intérêt communautaire. Et c'est pourquoi mon gouvernement mobilise tous les moyens pour inverser cette tendance destructive. Et mes amis, croyez-moi, on va le faire. Ministre Finance là, Kathleen Floristal, qui te prend la parole dans nos ministères de tutelle ULCC, plaide pour un combat national contre corruption et l'invite l'autre acteur dans la chaîne pour une responsabilité. Du haut de ses 20 ans, cette institution, l'ULCC, se livre dans cette grande et longue bataille contre la corruption et par ricochet contre la corruption et les corrupteurs. Avec 20 ans, ULCC, jodia, la continuer combattre corruption, la continuer moun qui encourage corruption et moun qui a fait corruption. Cérémonie 20 ans ULCC est déroulée en présence diverses personnalités locales tant qu'étrangers. Directeur général ULCC a profité occasion pour honorer plusieurs employés pour travail, loyauté, service pendant 20 années existence. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Merci Yves Manuel. L'autre point dans l'actualité a gagné un groupe d'action pour défense droit monde GAD qui est bail en conférence pour la presse jeudi et lundi 9 septembre. Et bien, responsable GAD là, maître Marc Arthur Mésidor, déploré fondation Jécléria qui mettait en dehors évasion et après l'équité passé dans prison civile Saint-Marc là. Mais nous allons rejoindre Junior Racine dans l'autre point dans l'actualité concernant Ville Saint-Marc. Commissaire gouvernement Saint-Marc là, M. Vincent François, dans un point de presse livré bay dans tribunal première instance là, qualifié rapport Fondation Jécléria comme un matraquage. Chef paquet a déclaré, c'est un rapport qui mal fabriqué, sans cohésion, cap tenté accuser monde qui honnête, crédible, cap travail pour bay vérité sous ce qui est passé dans prison civile Saint-Marc là. Commissaire a dit, li pou gen yon bon jan enquête judiciaire qui menait sous dossier ça. Commissaire Vincent François a bay version pâle sous ce qui est passé dans ville Saint-Marc dans date 16 août 2024 là. Dans même interview ça, chef paquet Saint-Marc là fait connait toute déclaration qu'a fait contre li yo, pas camper sous rien, li dit c'est moun qui impliqué dans zak malhonnête dans ville là, surtout dans volonté présence li dans juridiction bay en pile problème. C'est ça qui t'a à la base de tout ça. Commissaire gouvernement bay tout moun dans cité Nissa Sage a garanti, li pa blague ville là pour groupe criminel qui nan tête yo accaparer cité Nissa Sage a. Moi comprendre ça qu'a fait dans la fête de toute pièce parce que moi vin là m'goumé pour résoudre problème volontaire. Réseau pas alimenté, gros chabrak qui tout côté, pas ka joine avocat à tout faire qui dans toute qualité bagaille qu'a volontaire avec volontaire qui dans prison pour alimenter contio. Et bien il a utilisé ça qui passé pour tenter mettre commissaire gouvernement pour mettre deux citoyens dans le beau drap. Chaque fois que Saint-Marc là, il veut faire déclaration ça après rapport 6 pages FJKL Fondation J'éclairé mettait dehors jour qui était 3 d'août 2024 là qui fait qu'on est vice-délégué arrondissement Saint-Marc là ingénieur Walter Montas avec l'autre témoin confirmé que plusieurs prisonniers étaient exécutés en présence commissaire gouvernement AI tribunal première instance Saint-Marc là maître Vincent François après il était fini gain contrôle situation dans prison dans jour qui était 16 d'août d'après FJKL pour Bibiti 14 prisonniers étaient rivés perdu la vie, 7 blessés à qui un prisonnier rive échappé pour lui. Administration, cuisine, infirmerie, dépôt, akachiv, tout net te passé en bas flamme d'ife. Fondation J'éclairé mandé à IGPNH là l'ouvri yon enquête administrative à qui yon enquête criminelle pour faire lumière sous incident ça qui li décrit comme yon massacre. Métropole Bazatibonite Saint-Marc, Junior Racine, La Voix de l'Amérique. Merci Junior Racine. Donc son dossier qui continue à présenter des rebondissements, question de paquet de prisonniers qui étaient courus, quitter prison Saint-Marc là. Donc Junior Racine a continué à garder pour nous de près ça qui a passé par rapport à prison Saint-Marc là. Et puis l'autre point qui domine l'actualité, c'est question insécurité, mais c'est question tout route qui bat un problème à cause de tout problème insécurité avec zone de non-droit. Et bien, il y a pile monde qui a allé dans des routes qui baillent en pile problème et que yo prend en pile temps pour capable river la caillou. Et bien, il y a Steven Aristil qui a traité question ça pour nous dans un reportage. Si bien,
Moi, tout le monde me passe pour moi. Tout le monde me passe pour mal en pays, me lance en mis. Avant de me passer là, on va l'appeler. Je fais 5 ans de temps pour moi, jusqu'à ce que je me déjà mette. Mais je dis à la tourner là, et même calamité. Je ne vais pas mourir, je dis à non, mais. Et même calamité, même coup de bâton. Et puis, bon, tout le monde bloqué. Pas rien côté pour nous passer encore. Non, c'est le petit coin sacré, il fait. C'est le petit coin sacré. Ouais, c'est le petit coin bloqué. Bon, nous même, si des nous ne pouvons pas faire, nous sommes obligés de mourir avec voler ça au bord de nos amis. À cause d'insécurité qui rend le passage à très compliqué sur route nationale numéro 2, les gens qui veulent éviter contact avec les bandits qui sont sur route là, qui ont fait la loi, risquer la vie dans la route Séguin pour être capable d'aller dans le grand site là. Sitôt, Jacques Mel, Kay Jacques Mel, Marigo, Tiot, Agbelance, pour ne citer ça ou seulement. Il y a un trajet dans le temps à route normale qui compte prendre 2 temps. Etienne Dulfis, qui est un parmi plusieurs gens qui ont fréquenté la route, ça déplore l'Italie, ça qui l'a causé pour plus de temps passer salta doué. Bon, gè moun ki sa pa le bon côté, gè moun ki pral fè tchòt, li fè sikèt. Ou fè Jacques Mel avec ici ou pa fè kapèt. Bon, parce que pou la ou travab. Li te ka fè monstan ou travab. Pour aller dans grand site la vin tan kou yon pa risqué dans tout route yo. Melville Pierre Richard qui c'est un chauffeur moto qui fait trajet 15 kof ak Seguin. T'ap explique nou situation yo nan route si la. Il était tout profité mandé l'état pour voyager garder yo. Pour Mackinson, c'est même l'enfer à y vivre comme chauffeur moto chaque jour. Bon, pour route nan même pou bien tout son casque chinois. Parce que même chauffeur à l'aide sur moto a, il gagne un petit casse peur. Parce que visage de gens outlayen, on nous est sur un petit chargé roche, des fois on est là pour tomber. L'île vraiment est praticable. Mais c'est ça que nous avons dit. Pour l'État, fournir, j'ai gardé la situation route que nous avons passé et surtout les embas bloqués. Bon, on a demandé support de l'État pour nous. T'as fourni, j'ai gardé la route. C'est là qui veut dire des questions en passant par ce gué pour tomber dans la situation. Ah, pas de route, mais pas de route. D'abord, par exemple, sur le côté pour voir monter mon nom là. Sur le côté mon nom. Ça me va bien si chine. Sur votre chai. Sur votre chai, vous payez pour chai là. Quand tu vas là, ven là. Vous payez pour chai là, vous payez ou même tout. Ok? Vous payez pour monter mon doigt. Il n'y a pas 4-5 moun qui est pour Edo. Il n'y a pas 4-5 moun qui est pour Edo. Qui est mon doigt. Quelques monde dans la population qui pas voulait parler devant caméra nous fait qu'on est. Il y a prétend opération policière haïtienne ou policier kenyan ou commencé bail résultat pour capable débloquer route nationale yo parce que yo fatigué risquer la vie chaque fois au besoin aller dans pays yo. N'a pas rappelé premier contingent policier kenyan ou arrivé dans pays à 25 gens qui sont passés là. Yo gain pour mission accompagner police nationale là pour restaurer la paix dans pays ya. Moi c'est Steven Aristil depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Merci Steven, ou sous VOA Creole, ou suivi un programme dans langue creole haïtienne. Actualité électorale haïtienne aux États-Unis dans un petit moment. Et oui, ou sauvez ou à Creole, ou suivez un programme dans langue créole haïtienne. T'as compté annoncé, nous pourrons parler de l'actualité électorale là, ici aux États-Unis. Donc, gros point, c'est définitivement débat qui pourra être fait, demain, pendant 90 minutes, dans Philadelphie, qui pourra le mettre face pour face, et démocrate Kamala Harris, vice-présidente là, et puis gagner ancien président républicain Donald Trump. Et c'est première fois que y'a rencontré dans un débat, et y'a pas jamais parlé d'après ça, et spécialiste dit, ou pas jamais parler, même dans le téléphone de Mounsa, ou pas jamais parler, mais il pral face à face dans Philadelphie et a bien deux représentants ABC News qui a bien posé aux questions. C'est David Muir avec Lindsay Davis et puis gagné plusieurs dizaines millions de monde qui a bien pour regarder débat ça demain. Donc, ce go rendez-vous. Quoi nous allons rejoindre Jean-Aubert Philippe dans le chapitre électoral là. Ça va bien longtemps, un journaliste avant d'Amérique a visité Berkeley Springs, un petit bouc touristique dans West Virginie, côté famille, t'as amusé avant l'école l'ouvrir et avant annonce président Joe Biden t'a fait pour l'abandonner course pour Maison Blanche-Lan et puis passer ma être là by vice-président Kamala Harris. It's going to attract a lot of the female vote. John Lynch, électeur dans West Virginie, déclaré Kamala Harris pourrait attirer un pile électeur femme avec vote minorité. Mais pas gain rien qui clair pour candidat parti démocrate là, mais il pas gain rien dans main li pour lui mener campagne, aucun dossier.
West Virginia était par ancien président Donald Trump une des plus grosses victoires dans l'élection 2016 avec 2020, mais électeurs ont une inquiétude pour l'élection 2024. Chanel de Croix, un électeur dans West Virginia, parlait pour dire situation mettait gros tension sous lui à cause. Pour me parler clair, moi c'est un supporter Donald Trump, mais moi crois que l'électeur pas qu'a décidé dans quel sens que pour aller voter. Jeudi, il pourra voter pour Kamala Harris. C'est un État rural qui joue un coquin rôle dans la politique nationale État. Depuis l'élite élu, seul sénateur démocrate, li, Joe Manchin, qui était changé pour le tourner, un candidat indépendant à Nessa. Sénateur a joué un rôle important en a fait voter une série de propositions de loi pour l'administration Biden. Non. Mais avec décision que Joe Manchin prend pour le prendre retraite li à Nessa, les républicains ont presque assuré à remporter un siège dans le Sénat avec candidat gouverneur populaire Jim Justice. Marty Gerhardt, c'est un républicain qui en même temps est un leader de chambre députée d'État. Allez pour dire, nous gagnons mine charbon, gagnons attaque sur mine charbon et gouverneur justice gagne quelques mine charbon. Donc, nous espérons ouais, protection pour l'industrie. En plus, l'électeur en démocratie responsable pour l'industrie mine charbon qui a perdu force et ses principales industries État. Mais démocratie dans West Virginia, qui était dans la convention nationale Parti démocrate là, dans Chicago, t'essaie de faire monde dans l'État changer ça que vous pensez de Parti démocrate là. 3000 ans, un délégué démocrate dans West Virginia déclaré ça qui arrivait assez directement à cause de machine automatique qui fait un pile bagaille ça qui vient éliminer un pile job. Côté dirigeant, plus intéressé dans exploiter mines sous surface terre au lieu d'exploitation mines souterrain. Donc yo bail mine charbon yo porter responsabilité tout problème dans environnement. Rival démocrate Jim Justice là, en parlant de Glenn Elliott déclaré par électeur contrôle républicain pas jamais bon pour économie état non plus tout pour croissance li. Nous devons encourager ti business yo une façon gens non pas ta doué j'en fais ça avant. Nous devons faire jeune continuer voter. Parlement pas suspendre voter une série de lois qui mettait restrictions entre autres sur avortement, tant que loi sur LGBTQ, qui voye message ba jeune que nous pas besoin présence ici là. Joël Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Aubert. Actualité à mener dans le pays Venezuela, côté que pays a fait face à un nouveau développement dans la crise politique et électorale à côté auprès candidat opposition dans la dernière élection. Et bien lui-même lui prend exil. En Espagne, on a le droit de sa vie près. Candidat opposition politique là dans Venezuela dans dernière élection présidentielle yo Edmundo González Urrutia 75 ans trouvé en exil en Espagne et c'est là tout il publié un message vocal pour annoncer que la continue lutte pour démocratie dans pays. Quería informarles que hoy en horas de la mañana. Moi t'aime faire nous connait jodi dans matin moi arrivé dans ville Madrid. Voyage moi côté moi quitter Caracas té entouré à épisode qui gla dans pression à gros force pour empêcher me partir. Moi gagne espoir que très bientôt n'a continuer lutte pour liberté et rétablissement démocratie dans Venezuela. Moi salue nous toutes. Monsieur Urrutia quitté Venezuela avec madame ni à bord un avion militaire espagnol et ont débarqué dans base aérienne Torrejón de Ardós tout près ville Madrid côté un paquet de partisans avec drapeau vénézuélien. Nan meo te vin accueilli. En Espagne, chef diplomatie José Manuel Álvarez déclaré sur radio Onda Cera, monsieur Urrutia te mandé yon asile politique yon demande Espagne accordel. Et puis chef diplomatie dit li parler ak monsieur Urrutia nan avion et c'est là ça tout que il t'est confirmé que monsieur Naout li t'est confirmé ça nan micro journaliste. Je confirme que Edmundo González. Moi confirmé que monsieur Edmundo González actuellement sous route pour l'Espagne nan yon avion militaire espagnol. Monsieur Manuel Álvarez t'est tout profité dit pas de aucune négociation politique entre gouvernement espagnol et gouvernement vénézuélien. Ça veut dire pas de aucun boucantail pour Edmundo González ta quitter Caracas. Depuis dimanche, secrétaire d'État américain Anthony Blinken t'a exprimé soutien Washington pour opposant politique vénézuélien dans un message sous X. Venezuela a voté en faveur changement. Gen gros répression Maduro fait après élection côté que li touye et mettait en prison. Et candidat vainqueur Edmundo González Urrutia rete meilleur espoir pour
démocratie dans Venezuela. Nous pas qu'à quitter Maduro ak akolit li yo, accroché ak pouvoir par la force. Volonté peuple là doit respecter. C'est ça nous lit dans un message sous compte X secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Pendant ce temps président Nicolas Maduro lui-même, li lagué un paquet de venir sous opposition et il dit que yo nan coquin, yo nan magou, yo nan complot avec étrangers contre Venezuela. Edmundo González Urrutia qui toujours dit c'est lui qui remporté élection 28 juillet, t'es dérefusé paraître dans tribunal 3 fois côté il t'est doué vinn témoigner sur une enquête. Alors que conseil électoral lui-même by Nicolas Maduro vainqueur avec 52% voix. Donc situation était toujours compliquée dans le pays Venezuela. Là, c'était un nouveau développement. L'autre point dans l'actualité internationale là, d'après sa administration militaire région Nord-Est Ukraine, en fait qu'on est hier dimanche 8 septembre, il y a deux monde qui mouri et 4 autres qui blessé après une attaque aérienne la mer Rousse pendant la nuit là sous Sony, une ville dans Nord-Est Ukraine. Détail avec Gentil Augustin Junior. Ministère Défense Rusla rapporté que troupes la Russie détruit tanks ukrainiens, machines blindées, armes et l'autre équipement. Et puis frappé atelier drone ukrainien, dépôt munitions et l'autre installation dans combat avec force ukrainien yo dans dernier 24 heures de temps qui sont passé yo. Ministère a dit que dans direction Kursk, force Russie a contrecarré 5 attaques commando ukrainiens qui ont visé plusieurs colonies. Pendant ce temps, l'état général force l'armée ukrainienne rapporté 95 batailles sous ligne devant yo ak bataille qui pichofe ya nan direction Kourakov ak Pokrovsk et puis situation nan Pokrovsk toujours sombre. Côté commandant force l'armée ukrainienne te prend toutes mesures nécessaires pour repousser offensif l'armée russe et puis stabiliser situation. Nan yon note sous Telegram, Vyacheslav Gladkov, qui se gouverneur région Sud Belgorod dans la Russie, dit hier dimanche là que force ukrainienne yo lancé attaque drone qui visait un dépôt gaz dans district Volokonoski, ça qui mettait dit fait la donne. Président ukrainien Volodymyr Zelensky qui toujours a mandé pays occident yo aide. Te rencontré ak premier ministre italien Giorgia Meloni après yon romble business TEA qui fait chaque année nan nord Italie. Côté Italie renouvelé engagement li pour li continuer supporter Ukraine. Li dit l'Ukraine. Choix pour supporter Ukraine te si tout yon choix nan intérêt national. Et puis c'est yon choix qui pas pral changer. Pendant ce temps la Chine annonce jeudi lundi 9 septembre nan que li pral fè exercice militaire ensemble avec la Russie nan mois ça. C'est ça ministère défense chinois annoncé nan yon déclaration. Côté li di, exercice ça gen pour objectif approfondir niveau coopération stratégique entre l'armée chinoise ak l'armée russe et puis renforcer capacité yo pour yo confronter menace sécurité yo ensemble. Mais ministère a pas bay ni date ni jour exercice yo a commencé. Yon l'autre côté, Iran rejeté accusation pays occident yo comme quoi l'a voyé zambay la Russie. Porte-parole ministère affaires étrangères Iran Nasser Kanani dit nous rejeté ak toute force accusation que Iran joué yon rôle nan exportation zam pour aider yon parti nan conflit a. De pays allié yo Iran ak la Russie te accéléré approchement entre yo nan domaine économique énergie ak militaire depuis commencement la guerre Ukraine là nan mois février 2022 et depuis un pile pays nan l'Occident te mette sanctions sous la Russie. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci Gentil. Dans la région Moyen-Orient, gen autorité palestinienne jodia qui organise yon funérailles pour American Tuxa qui mouri dans Cisjordanie pendant que l'été a fait manifestation pro palestinien et que l'été recevoir en balle dans mes soldats israéliens. Donc c'est go et enterrement qui fait jodia. Et puis moun ki fanatique et qui malade pour question
technologie électronique, et ben tant coup et montre électronique, ordinateur ou bien téléphone, et ben moun sa yo pral gâté. D'après Sandra Le Maire qui fait nous connaître que et ben téléphone intelligent ou bien smartphone et 16 là, mes amis, Lina Wout, en allo jeune Sandra. The next generation of iPhone has been designed for Apple intelligence from the ground up. Apple dévoilé jeudi un nouveau iPhone li que intelligence artificielle corée. Nouveau téléphone intelligent iPhone 16 là, c'est nouveau génération iPhone qui basé sous intelligence Apple, PDG compagnie technologie Tim Cook fait connaître. Apple Intelligence, qui c'est nouveau logiciel AI Apple, prend le service pour améliorer assistant personnel de Siri. Une version essai Apple Intelligence en anglais est disponible aux États-Unis mois prochain, qui donc octobre. Li pral disponible en anglais que moun pale nan pays tankou Angleterre, Australie ak Nouvelle-Zélande nan mois de décembre nan. Et puis Apple di version logiciel la en chinois, français, japonais ak espagnol ap disponible année prochaine. iPhone 16 la gen yon nouveau puce A18 qui gen yon fond en aluminium et puis yon nouveau bouton qui ka servi pour contrôler caméra. Prix iPhone 16 là, c'est $799 pour modèle de base là. Et puis iPhone 16 Plus là lui-même, c'est $899. Apple dévoilé tout iPhone 16 Pro et Pro Max qui fait avec titanium et qui gagne plus qui pi rapide là à 18 Pro et qui gagne plus fonctionnalité AI là-dedans. iPhone 16 Pro là coûtait $999 et puis version Pro Max là coûtait $1,199. Apple dévoilé tout série 10 Motlia qui vend pour $399 et qui gagne une face qui plus gros passé prédécesseur li et qui va offrir fonctionnalité plus perfectionnée sous santé, sport avec situation d'urgence. Pour finir, Apple améliorer tout écouteur li yo que li rele AirPods. D'après Apple, yo pi confortable et li améliorer acoustique yo. Mais tout ça, gagnent yo AirPod que moun ka servi pour tande pi bien si yo gen problème pour tande. Version ça attend approbation agence qui contrôle les produits kap vann sou marché américain. Sandra Le Maire, VOA Creole, Washington. Abelab sur reportage là avec Dengrier. Mes amis, si on moun vle faire mon cadeau, pas besoin de chercher encore pour connaître qui ça pour moi. Ou souvez ou à créole, ou à suivre le programme dans la créole ici. Et puis une nouvelle qui fait tomber pour une finir gain process Kate Middleton qui était annoncé dans finissement mois de mars là que libéral suivion chimiothérapie contre cancer et ben l'annoncer jodia que et ben traitement non fini avec un message et un traitement 9 mois avec un message que le mettait sur réseau social yo li déclarer moi pas qu'a dit nous qui j'en c'est un soulagement pour finalement fini avec traitement ça. Et Princesse de Galles dit c'était 9 mois qui était terrible, qui était dû en pile. Li dit tout chimé dans direction et guérison avec rétablissement complet. C'est un chimé qui très long et lui-même li obligé prend chaque jour et Jean Vini, c'est comme ça la vive et moment ça. Donc c'est ça l'annoncer sur toutes les réseaux sociaux yo, et ben il se passé 9 mois dans chimiothérapie et Konya li dit que et ben c'est 9 mois li fini Konya, mais ça va veut dire que li guérit totalement. Il dit parce que chemin guérison hein, et ben son chemin qui long, elle prend la vie chaque jour Jean Vini. Et c'est avec dernière nouvelle ça que n'a metté fin dans programme non, mais nous pas oublier question smartphone non et téléphone intelligent, les amis, c'est tête chargée. Merci Sandra pour toute information ça yo. Sandra ba nous prio tout, donc nous tout connaît côté n'gade. Mes amis, merci pour attention nous, merci pour fidélité nous. C'est un plaisir l'autre fois encore pour te servir. Nous pas c'est Jacques Belize, moi voulais et remercier Jean-Marc Hervé Abela, par contre c'est Djoubek derrière et puis Abdelrahman qui c'est zami nous saluons le tout. C'est pas Rob McLean, c'est Abdelrahman. Moi c'est Jacqueline Belizer. Nous souhaitons nous pour passer une bonne fin de journée et puis à demain.
Zivenes et Zemete Anotnouyo, la police nationale d'Haïti fait un gros coup dans Gressier. Dimanche, qui était 8 septembre 2024, la police nationale d'Haïti, force de l'audio, y a fait un gros coup dans Gressier, même gens, avec population dans Gressier, y a fait un gros coup tout parce que la police, m'a regardé une petite vidéo là, m'a regardé quelques photos là, m'a regardé moi, et 1, 2, 3, 4, n'importe 5 à 6 nègres là, l'a regardé, semble là, t'as joint mon épiècio, dans quatre opérations que la police menait dans la commune Gressier, dimanche après-midi qui était 8 septembre 2024 là. C'est vrai, c'est triste parce que c'est des jeunes garçons que y a, qui peut-être t'es capable d'utiliser le pays, mais y a accepté que de monde décide rentrer yo dans activité criminelle, accepter qu'un des armes illégales nan men yo, accepter terroriser population, accepter poser un ensemble d'actions malhonnêtes, et je dis, et qu'un moun qui t'a dit après pile méchanceté que nèg sa fait moun prend moun tuer moun nan mitan kafou genre an di tuer monsieur Pierre Philippe Agnan et yo mette dife sou li mette nan brouette, mais qu'un moun qui dit que mais même ça que bandi yo fait avec moun yo, mais c'est même son ça pour faire avec bandi armé yo. Ils avec des moun qui dit que yo pas prend la peine, yo pas prend pitié pour bandi armé les qui attendaient que la police ou bien force de l'audio et nan boucanté coup de zam avec yo yo bandi la vie, mais en même temps tout, yo pas prend la peine pour yo, les que c'est population civile qui décide ba au sanre les bois calé. Et c'est là problème n'a existé parce que je dis nous remarquer c'est violence qui a essayé résoudre violence qui est là. Comprenez bien? C'est violence qui a essayé résoudre violence qui est là et c'est là le problème là. Parce que qui quantité violence qui vous t'a fait, qui vous t'a gagné pour que t'a résoudre ça là comme problème. Mais j'en que situation qui t'a présenté, j'en que réalité qui t'a là, je dis, obligé de venir dire tout que, est-ce que nous pas une situation pour que c'est violence qui pour gagner, pour que yon résout ça gain là, et après ça, n'a pensé état de droit, n'a pensé société, n'a pensé ensemble de leur bagage dans le pays. Est-ce que vous comprenez? Mais, j'en de vous dis, nous pas dans état de droit. Et puisque nous pas dans état de droit, nous avons une anarchie totale capitale. Nous avons une anarchie totale capitale. Et je dis, vous êtes obligé de dire que, pas oublier, l'État qui a monopole violence légitime. Non? Et l'État, c'est lui-même tout, qui a une impérieuse obligation pour être capable de protéger le droit à la vie de chaque haïtien. Mais si vous haïtien, ça décide de tomber dans le désaccord, dans la désobéissance à la loi dit, eh bien, il est clairement que. Attendre que n'a tombé dans situation ça. Et je dis, ça pour moun yo comprendre. Je dis, ça pour moun yo garder. La police, l'armée d'Haïti, obligé que comportement ça, c'est parce que yo même tout comme policier, yo même tout comme militaire dans l'armée d'Haïti, yo connaissez under ghetto à sorti. C'est là madame yo a vive, c'est la petite yo a vive et la maman, papa, frère, c'est yo a vive qui donc yo a obligation pour établir sécurité en dedans ghetto. Et ça fait, yo continuellement des moyens malgré moyens limités, mais avec ça yo gagne toujours yo dit, y a essayé goumen, y a essayé quand même garder, j'ai capable porter solution avec ça là comme situation. Et Dian nan Gressier dimanche 8 septembre 2024 là la police frappée gè pou pipiti 3 à 4 présumés bandits que konn fait partie ensemble groupe gang qui nan Gressier yo qui tombé qui va les blou bouchio nan échange coup d'armes avec la police mettez sous ça en même temps tout gè un bandit krelé ti Michel qui prend bois calé nan Gressier qui donc Gressier jodi an là li en mode opération entre la police et population civile qui a vécu dans Gressier des Ibenes. La situation de population dans tout le pays a presque appris destiné jusqu'à présent parce que ouais, on l'autre vent qui a vanté avec responsabilité que la police dans toute unité a pressé pour là pour permettre que sécurité tourne dans le pays. Et bien, dans Léogane, précisément dans la zone Bouillotte, la troisième section communale et Grande Rivière, population a touillé des chauffeurs taxi moto yo accusé et comme moun qui fait partie réseau criminel gang qui nan Gressier ka bay problème monsieur ça été débarqué dans Léogane et la population ba yo ça yo mérité et moun yo dit yo pas quitter bandi vin faire ça ou vle ak ça ou pito nan zone pa ou dans Léogane parce que situation paraît très difficile. Ensemble activité yo toujours été paralysé dans rentrée nord capitale là c'est conséquence sa présence permanente nèg ak gros am fan fwa ki nan route nationale numéro 1 au niveau canarin bandi si la yo représenté un gros danger
pour sécurité arrondissement à Kaye, côté citoyen qui dans Kaye, c'est presque chaque jour malgré gain présence et pour Kounia et monsieur Boyto qui rive qui vient renforcer la police dans Kaye, mais ça pas empêcher que moi trouvé dans une situation très difficile, très douteuse. Et le Sagui 27 l'année, la situation, et le 8 septembre 1997, sous l'administration et défunt René Gassa Brival, et bien, te gagné et plusieurs centaines de Gonaïviens qui étaient arrivés perdre la vie, et non, l'en met, et malheureusement, à travers un bateau qui était relé, fianté Gonaïviens, et il était coulé, et ensemble, nous sommes arrivés perdre la vie. Et jusqu'à présent, il y a des revendications qui sont venues pour demander avec autorité, pour essayer de contrôler, surtout ces manas, pour prendre contrôle, monde qui apprend, et l'en met. Et toutefois, qui au besoin qu'on est, dans quelle dimension, dans quel niveau, parce qu'en pile haïtien, il veut perdre la vie dans condition ça. Commandant, MSS, vous faites Outongé, annoncer pour fin mois septembre, la situation a gagné. Il y a un autre contingent de plusieurs pays qui a entré en dedans pays. D'un coup, Bahamas, Jamaïque, Belize, c'est toujours dans le cadre de support sécurité multinationale là, d'après et officier, d'après chef officier et Goudfrey Outongé, eh bien, il fait quoi qu'il y a continué à avancer pour permettre que et question sécurité a rétabli dans le pays hein, et au garder et pour qui va dans police ça a bien et augmenter sous quantité policiers kenyans qui rentrent dans le pays hein, il fait quoi que et ensemble ça qui vient pour avec opération pour intensifier dans et capital pays ta pour dans commune quoi des bouquets Port-au-Prince Delma à la zone qui est dans la périphérie, ça permet à que les gens qui sont dans le département de la Tibonite, les ouais, ensemble autorité, qu'elle est dans la police, qu'elle est à travers la force multinationale, qu'elle est dans le gouvernement, pas penser avec la situation qui est dans le département de la Tibonite, il a demandé est-ce que la Tibonite ne peut pas faire partie du pays, et elle connaît qu'il y a une insécurité et qui enrage dans le niveau du département de la Tibonite, côté, les gens ne peuvent pas se violer, mourir et même détourner camion marchandises qui a fréquenté la route nationale numéro 1. Félicitations du Premier ministre Dr. Gary Conille avec le ministre de Santé. Et nous voulons parler de Georges Fils Brignol. Pour qu'on y a, il y a pratiquement entendu pour nous joindre et entendre après l'aide de blâme que le Premier ministre Santé voulait by et ministre de Santé publique là, parce que l'ité a fait une série de nominations pendant et pratiquement lui-même l'ité pratiquement dit non, que ça n'a pas de fait et c'est la primature qui est douée et permettre qu'ensemble nomination fait. La situation dans la démonstration que la police présentait dans la zone Kouadé-Bouquet, sur route nationale numéro 8, là, côté gang 400 Marouzo de Mouté Mirajo, et bien, la situation est arrangée qui permet au moins que la police se prépare la situation, mais bandits sont toujours arrangés, ils ont fouillé des gros trous dans l'espace où ils ont toujours un contrôle situation. La population, par contre, a fait 5 euros de la DC, après intervention de la police, et bien, bandits 400 Marouzo ont détourné plusieurs camions qui ont transporté marchandises, tapoudiri, à cigarettes, et bien, ils ont porté ça, ils ont fait un peu de à toute machine. Bon, par exemple, qui connaît ça, qui ont fait avec chauffeur. Dans le dossier qui est lié avec méchanceté, artiste, que nous songeons, en plus, on a demandé qui côté artiste là. La police dans l'État Floride a arrêté Ali Emilien, vendredi qui était 6 septembre 2024. La souplette, famille artiste là, était déposée, selon l'information qui fait quoi. Ali, c'est une monde qui était organisé voyage, bateau, sorti Bahamas, sorti entre États-Unis, qui est artiste, méchanceté la donne, pour jusqu'à présent, que personne, par exemple, connaît, et c'est un voyage qui a organisé depuis le mois de juillet, parce que Blaise Peterson et ça au pratiquement et pour le faire essentiel et monsieur nous matin pour nous pas discuter nous pour regarder avec sa internet responsabilité que la police a pris là qui ça qu'elle cap côté en plus qui ça qu'elle doit faire au même comme peuple qui permettre que résultat yo paraît visible et direct à la population sur dans sa liable situation. Désir Venesse, ça m'a annoncé encore de plus c'est que m'a regarder là en bas Jim dans ville cap haïtien et gagner là et gagner là Désir Venesse dans bas Jim là. Au total, n'importe 7 à 8 jeunes garçons qui dans commissariat capaïtien selon ça que nous apprenons. Et semble pas gagne monde qui compte qui est sur eux, même comme si pas habitué avec visage ça yo. Et ceux qui bon jeunes garçons, mon cheveu tressé, tout ça yo, et semble désir monsieur que les pata même que pièce sur yo. Même dit pièce ça veut dire pour être capable identifier qui est sur yo. Les bien samedi, hein? Ça sont informations que des journalistes qui n'ont cap haïtien partagé. Est-ce que jeune garçon ça yo côté au sorti qui est sur yé? Ça qu'arrivé pas mon cap haïtien, mais au sorti dans une ville ou dit maintenant localité dans département nord pays d'Haïti. OK, ça qu'arrivé. Ça qu'arrivé. OK. Mais kounya et autorité policière yo kebe monsieur yo en garde à vue. Et pour capable j'aime plus donner plus information de ensemble jeune garçon ça yo. Et m'a dit clair dans moment
jeunes garçons, même j'avais mieux. Messieurs, dames, jeunes garçons, jeunes femmes, qui n'ont comme si qui, c'est des jeunes gueux. Dans le moment, gardez côté, l'État déconseillé pour que nous pas fait zone ça. Alors, bien dire, si nous avons une mauvaise affaire, si nous avons une mauvaise affaire, nous n'avons que nous pas de nous dans le comportement. Nous. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des zones, il y a des lèvres, il y a des espaces qui sont parfaits pour nous. Dans le dernier temps, il y a des zones, il y a des lèvres, il y a des espaces qui sont parfaits pour nous dans le moment. Parce que sinon, nous sommes victimes. Et les victimes, nous sommes passés parmi la foule. C'est bien samedi. N'a victime n'a passé parmi la foule. Si que nous connaît, nous pas mauvaise affaire, nous pas un drôle. Mais ce qu'on a c'est mauvaise affaire. Ou pas une pièce pour la police, ou pas une pièce pour l'armée, ou pas une pièce pour Kenyan yo. Bon, laisse ça. Sinon intervention yo dans opération victime. Quel monde qui t'a dit ou mouri dans pied travail ou? Parce que vous avez dit. C'est vous dit que jeune garçon ça qui trouvé yo. M'a regardé photo, m'a regardé image yo. Dans le commissaire cap haïtien que il a posé question pour demander qui est soyé côté au sorti. Bon, t'as souhaité que yo joine information de yo et t'as souhaité tout, c'est pas ta des jeunes garçons qui t'a dans de mauvaises affaires. Vous comprenez ça veut dire. Kounya désir en on vini dans causer et gros frappe que la police baï dans Crécier. Dans après-midi te dimanche 8 septembre 2024 là. Pas oublier que Crécier, il y a plusieurs mois que nous connaissons, bandit a fait la navette dans différentes localités dans la commune Crécier. Mm-hmm. C'est vrai, la police, jusqu'à ce que nous ayons même fait un gros envahissement, nous avons boulé le commissariat, nous avons crassé le commissariat, nous avons tué plusieurs personnes. La police finit, courir derrière les gens, les gens allaient, les gens allaient, les gens retournaient. Mais la police retourne encore. Kouni a nèg yo ici a gaye yo dans divers côtés dans commune Crécier. Et nèg yo fait pile mauvaise action. Nèg yo commet en pile action malhonnête. Nous on ça clair. Et pendant semaine se passé en là, si m'pa trompé, entre mercredi ou bien jeudi, moun dans commune Crécier, yo t'a lancé des SOS, yo t'a lancé des cris d'alerte pour yo dit que gen plusieurs machines boué avec de jeunes garçons, zam à la main, qui envahit comme une Crécier. Et nous avons lancé des SOS. Et nous avons demandé renfort pour policer Udmo Utag, qui est l'autre bois. Et quel est le désir? Et quelques chablende, policiers et l'armée d'Haïti, nous avons porté renfort. Ben, les policiers qui étaient déjà l'autre bois. Mais nous avons mené, nous apprenons que de opération. De opération solide dans la commune Crécier et désir de en pile.